Bonsoir tout le monde. J'espère que vous me voyez bien. Coucou, bonsoir. Je ne vois pas encore les gens connectés, je ne vois pas encore les commentaires. Commentez s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes là et partagez. Commencez à partager ce direct. Je suis à la maison, à la cuisine. Et on va faire les deux à la fois. Je serai en même temps en train de faire à manger. Et puis je vais discuter avec vous. Je suis très en retard sur mon programme. Commencez à vous connecter. Et puis partagez. Ah, c'est depuis hier, c'est tout. Connectez-vous. Maman, c'est pas ça. Tu vas en appeler les deux là ensemble, par contre, c'est ça. Même l'autre ami, c'est trop doré, c'est trop brûlé. Même l'autre est brûlé. Coucou. Venez encore nombreux, venez. Zalika, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Oui, Marlène, Marie Sainte, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Commencez à partager le direct. Commencez à partager massivement cette vidéo parce que beaucoup de choses vont se dire. Commencez à partager nombreux, s'il vous plaît. Connectez-vous nombreux. Partagez, partagez, partagez. Je vais citer des noms. Des noms qui m'ont été envoyés. Moi-même, je tombe des nues. Avec des preuves à l'appui. Partagez ce direct-là. Ja, c'est ce que vous faites à Dubaï. Où sont les épices? Comment les épices, là? Ja, on a les commentaires comme quoi ce qui se fait à Dubaï reste à Dubaï. Hein? C'est ce que vous faites à Dubaï. C'est ce que certaines personnes font à Dubaï. Oui! Il a pris du poids. Il n'a pas pris du poids. Peut-être que tu ne me vois jamais dans des tenues comme ça, c'est pour ça. Partagez la vidéo. Moi, j'ai pris un. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, on va se dire, les papas vont sortir. Hein? Il dit, il tombe depuis hier, il ne dort pas. C'est hier, j'ai bien pris connaissance de la situation. Je vous jure qu'hier nuit, je n'ai pas dormi. Parce que l'image, la vidéo me revenait à l'esprit. C'est comme si dans mon rêve, c'est comme si dans mon sommeil, je pleurais parce que j'avais mal au cœur. Partagez. Je suis en même temps en cuisine. Je suis déjà en retard sur mon temps. Je suis en cuisine en même temps, je cause avec vous. Partagez de partager. Des têtes vont tomber. Bon, tomber, c'est trop dit. Mais je vais citer des noms. Hein?
Il y a des Nigérians dedans. Il y a des Béninoises dedans. Il y a des Ivoiriennes dedans. Il y a presque... Et puis, c'est les filles noires. Hé, hey, les soeurs africaines, à quand votre réveil? À quand la prise de conscience de la jeunesse féminine africaine? À quand? Les noms vont être cités. Peut-être que après, demain, vous n'allez pas me voir à la maison. Peut-être qu'il essaie quelque part en prison. Parce que peut-être les plaintes vont être posées. C'est que si moi, il y a des noms. Partagez la vidéo. Si on n'a pas atteint les 1000 partages, je ne cite pas des noms. Donc, commencez à partager la vidéo. Et puis, je ne vois pas les commentaires. Donc, c'est à l'étape où je suis en train de mettre tout ce qui est épices. Moi, je ne mange pas de cube magique. Moi, je suis en train de mettre des épices, tout ce qu'il y a à mettre dans le riz. C'est comme ça que je vais, je viens, je vais, je viens. Donne-moi les œufs, donne-moi 3 œufs. Donne-moi mon beurre, donne-moi mon beurre aussi. Donc, dépose d'abord, donne le beurre d'abord. Donne le beurre d'abord. Il y avait un beurre tout à l'heure là, tu as vu. Oui, mais il y avait un autre avant. Ça a fini, c'est non. Pas... Il y a un beurre là-bas. Partagez, partagez. Je suis là, hein, je suis là. Quand on va atteindre les 1000 partages là? Tout à l'heure, je vais commencer à parler. Donnez-moi seulement 2-3 minutes. Je veux juste que vous vous installiez. Ce qui se passe à Dubaï, les commentaires que j'ai entendus de ces filles-là, restent à Dubaï. Ça ne se n'est plus resté à Dubaï, c'est venu sur la place publique. Et en tant qu'influenceuse, moi je suis, et allez, c'est de ma main. Moi je suis une influenceuse. Parce que moi je change de vie. J'ai tellement de témoignages des gens qui ont lancé leur entreprise grâce à moi. Il y a tellement de personnes, j'ai tellement de témoignages dans ce sens. Moi je suis une influenceuse. Parce que ma vie aussi est un exemple. Ma vie est un témoignage. Moi, vous que vous voyez ici là. Je n'ai rien, je ne suis pas milliardaire. Mais je suis fière. J'adore ma vie. J'aime ma vie. Je ne la remplacerai pour rien au monde. Connectez-vous tout à l'heure. Partagez le direct. Partagez rapidement. Donnez-moi 2 minutes le temps de mettre un peu de beurre dans mon riz. Et puis... je vais commencer à décortiquer parce que avant j'ai donné les noms bien certes, mais je vais donner mon avis. Soja que je vais mettre dans mon riz cantonais
vous donner du goût, puisque moi je ne mange pas du cube magie. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est vrai que ça, c'est un phénomène qui se passe depuis longtemps, mais il s'agit de quoi? Il s'agit des jeunes filles ou des jeunes hommes aussi, hein, à Dubaï qui vendent leur corps pour de l'argent. Et si encore on s'est limité à ça, ce ne serait pas bien, c'est normal, c'est pas bien. Mais au moins, on ne serait pas aussi choqué. Parce que vendre son corps pour de l'argent, on est habitué à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas bien, mais c'est quand même, c'est du déjà vu. Donc, ça ne choquerait pas. Mais ce qu'il en est, c'est qu'en plus de vendre son corps aux hommes, ces filles-là vendent leur corps aux animaux. Et si on s'arrêtait là encore, ce n'était pas si choquant, même si ça allait. Mais maintenant, ça dit, c'est encore plus poussé parce que les filles, ces filles-là mangent les excréments des hommes, soi-disant milliardaires. Je ne sais pas, je ne connais pas leur poche. Excusez-moi. Où sont les yeux là? Excusez-moi, 2 secondes, hein? Soi-disant milliardaires. Bon, je suppose que c'est des hommes très riches. Pourquoi? Parce que ces personnes-là proposent de l'argent, des dizaines de milliers d'euros ou de dollars pour ça. Donc, l'histoire qui m'a été racontée, c'était que c'est quoi? C'est que on fait plusieurs propositions à ces filles-là. Avant le ventilateur ici. Parce que ici, il fait vraiment chaud. Le portail de l'air ici est fermé. Donc, c'est quoi leur tactique? C'est-à-dire, il y a plusieurs cas. Mais il faut déplacer. On va allumer le souffle. Donc, d'envoyer comme ça. Ici, il a allumé sur lui. Donc, tu laisses, c'est pas grave. Tu connais ma maman? Hein? Je sais qui me ressemble. Va te laver. Est-ce que va laver? Il est 20h, tout ici. Alors, on leur propose plusieurs choses. Soit, on fait pipi, on te fait pipi là-dessus. Quand tu acceptes, ça peut être 5000 euros. En plus du pipi, si tu acceptes qu'on te, peut-être on te vomisse là-dessus, ça remonte à 20 000 euros, à 10 000 euros. Quand tu acceptes encore que tu couches peut-être avec un chien, ça monte à 15 000 euros. Maintenant, quand tu acceptes qu'on te fasse, il y a le dit caca dans la bouche, on peut monter peut-être à 15 ou à 20 000 euros. Et là, maintenant, elles sont assises là en train de... Elle est couchée, bon, je ne sais pas si elle est couchée, mais c'est qu'elle a une position où le monsieur est en train de maintenant faire caca dans sa bouche. Aïe! Comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce que ça peut se faire? Comment tu peux accepter que quelqu'un fasse caca dans ta bouche? Hier, j'ai regardé une partie de la vidéo. Depuis hier, je ne suis pas tranquille dans mon cœur. Depuis hier,
Il dit, hier nuit, je n'ai pas dormi. Mélange tout. Mélange tout. Mélange bien. Faut pas gratter tout en bas là. Mélange normalement. Depuis hier, je n'arrive pas à dormir. Parce que je suis dégoûtée. Parce que c'est comme si c'était à moi qu'on faisait ça. Regarde, toi-même, ton propre déchet, tes propres excréments. Est-ce que tu peux regarder ça facilement aussi? Pour toi-même là, hein, on se dit la vérité, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour toi-même là, est-ce que tu peux regarder ça facilement? Genre, voici mon caca, voilà, c'est beau, hein? Est-ce que toi, tu peux faire ça? Mais imagine pour quelqu'un que tu ne connais pas même. Et tu ouvres la bouche, la personne a chie. Excusez-moi si je suis terre. J'espère que Facebook va pas bloquer ma vidéo. Je dis de partager ce truc. Des noms vont être cités. Tant qu'on n'a pas dépassé les 1000 partages, je ne vais pas citer de noms. Partagez-moi ce direct là, partagez-moi ça. Souvent je me demande où est-ce que nous allons, où est-ce que ce monde s'en va, comment est-ce que une femme, je ne parle même pas des hommes, je parle de nous les femmes. Il y a des gens qui sont appelés. Si vous voulez, je vais inviter des gens à participer, mais laissez-moi donner mon avis d'abord. Comment est-ce que toi femme, parce que je peux être dans la peau d'une femme. Les hommes, là, je ne connais pas leurs sentiments. C'est vrai que je condamne. Hein, je condamne au plus haut point. Je vous ai. Je condamne au plus haut niveau. C'est pratique concernant les hommes. Mais moi, je parle des femmes. Parce que je suis femme. Et aucune femme ne va me donner un prétexte comme quoi je n'avais pas le choix. Comme quoi j'étais obligée. Comme quoi je suis trop en manque. Comme quoi je suis serrée. Comme quoi je ne sais pas. Comment est-ce que tu peux vendre ton âme de la sorte? Comment est-ce que tu peux tu peux tâcher ton âme de la sorte. C'est-à-dire, aucun prétexte ne peut être juste. C'est-à-dire, comment je peux dire? Aucun prétexte ne peut être donné face à cette pratique-là. Aucun prétexte. Aucun prétexte. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps, on a tendance à voir que des gens montrent leur vie. C'est-à-dire, quand ta vie est bling-bling, tu rentres dans des boutiques de marque, tu mets des sacs à main de marque, tu vas dans des boutiques de renom. Quand tu as ces pratiques, quand tu montres ta vie de luxe comme ça, c'est comme ça que, en fait, c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens envient. C'est ce que les gens aiment. C'est pour ça que certaines personnes se permettent de s'adonner à ces pratiques. Parce que pour elles, c'est le seul moyen. J'attends les commentaires. Je vais lire aussi les commentaires. Attendez, je vais vous montrer, si vous voulez, mettez un commentaire, montre-nous. Je n'ai pas je vais pas montrer la vidéo, la vraie vidéo, mais je vais vous montrer la vidéo voilée. Si vous êtes d'accord, mettez, mais vous saurez et vous verrez. Si vous avez, c'est pour ça qu'elle dit âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir. Ce n'est pas comme si je vais montrer la vidéo elle-même, mais vous pourrez voir de quoi il s'agit. Arlette, tu vas placaler, c'est du riz cantonné. Elle dit placaler. D'accord, je t'invite ma chérie, Arlette. Il faut venir manger. Et t'envoie mon adresse. C'est pathétique, Suzanne, effectivement. C'est pathétique. C'est le sacrilège au plus haut niveau. Et quel sacrilège! Tu vas vendre ton âme. Parce que tu as déjà vu sur les réseaux sociaux des gens montrer le luxe, montrer les grands hôtels de luxe, montrer des boutiques de renom, porter des sacs à main hors de prix, des sacs à main hors de prix. Donc du coup, cette vie-là, tu veux tellement la vivre que tu es obligé d'aller aussi
te soumettre à ce genre de pratiques pour pouvoir assouvir tes désirs. Mais c'est pathétique. Regardez, si tu as le courage d'ouvrir ta bouche et de laisser quelqu'un chier dedans, ça veut dire que toi-même tu as plus de force que moi. Ça veut dire que tu as plus de courage que moi. Ça veut dire que toi-même tu n'as pas peur de mourir. Ça veut dire que l'audace que toi tu as, je n'ai même pas le quart, encore moins le dixième. Ça veut dire que toi tu peux t'élever et puis commencer une activité et foncer jusqu'au bout. Parce que le courage que toi tu as là, beaucoup ne l'ont pas. Mais tu ne partages pas. Annie, tu veux les noms? C'est Annie. Anti, partage. Tu n'as pas, tu dois partager. J'ai dit, on atteint les 1000 partages. Moi, je donne les noms. Je donne les noms. Vous savez à combien de partages on est? On n'a même pas atteint les 1000 partages. Vous voulez les noms? Je ne donnerai pas de noms tant qu'il n'y a pas au moins 1000 partages. Et hey, vous aussi, vous me respectez. Est-ce que demain matin, même, je ne sais pas si mes enfants et mon mari vont me trouver là, vont me voir à la maison. Peut-être qu'ils seraient quelque part pris en train d'aller à la prochaine, on va me parler de diffamation, même s'il y a toutes les preuves. Les noms sont là. Je dis, partagez. Partagez. Et vous aussi. Il n'y a pas dit les noms. Moi, il n'y a pas me dévoiler cadeau. Vous aussi partagez. Si vous partagez bien, les noms vont sortir. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je vais vous montrer un petit bout. Attendez, ça y est, le téléphone là même. Vous aimez la vie bling bling. Vous aimez qu'on vous mente. Vous aimez qu'on vous vende du rêve. Ça t'emmène à quoi? Est-ce que tu penses que tu auras la paix dans ton cœur? Est-ce que tu penses que tu seras heureuse dans ta vie? Toi, tu es couché et puis quelqu'un vient chier dans ta bouche, ma chérie. Mais toi-même là, tu n'as pas peur de la mort. Où est la vidéo même? Tu n'as pas peur de la mort. Toi-même, qu'est-ce qui peut t'effrayer dans la vie là? Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Même la mort ne t'effraie pas. Donc tu es quelqu'un de courageux. Tu es quelqu'un même qui... Même si la personne, tu vois même qu'on a pointé une âme sur toi, toi tu n'as pas avoir peur. Parce que toi, tu acceptes de subir là. C'est un acte glorieux. Dans le mauvais sens, bien évidemment. Ils sont dans des choses, me connecter. J'espère que j'ai encore le bout de la vidéo, le bout. Regardez, soyez attentifs et regardez très bien. Regardez. Ça passe vite, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez derrière la fille, regardez, est-ce que vous voyez même, regardez bien la vidéo. Regardez la fille, regardez, est-ce que vous voyez même. Regardez derrière la fille, ça passe en flash, hein. Est-ce que vous voyez? Le caca même est étonné. D'après Rolvina. Mais le truc même est étonné. Non. C'est-à-dire, je ne montre pas la vidéo en tant que telle, mais ça passe vraiment en une fraction de seconde. Franchement, c'est dégoûtant. C'est le sacrilège au plus haut niveau. Toi-même, là, tu es plus forte même que les mystiques. Là. Tu es plus forte qu'une sorcière. Ou les francs-maçons. Tu es plus forte qu'eux. Parle-toi ton courage, là. Non, Dieu t'a donné. Je ne sais pas si tu as dit que c'est Satan qui t'a donné. Comment tu vas vendre ton âme au diable? Pourquoi? L'argent même... On n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. Je n'ai pas dit ça. Mais on va laisser cet argent. C'est-à-dire, là, on va laisser... C'est-à-dire, toi-même... comment je peux dire ça? On va laisser, c'est-à-dire l'argent, on va laisser ça pour partir. C'est vrai qu'on cherche, mais la façon dont toi tu cherches là, vraiment c'est très malsain. C'est très choquant. C'est très vilain. Qu'est-ce que tu vas donner comme conseil à tes enfants? Qu'est-ce que toi-même tu as acquis comme valeur? Qu'est-ce que toi
toi-même tu as reçu comme éducation. Je suis sûre que tes parents ne t'ont pas poussé à faire ça. Comment tu peux descendre si bas? On me dit non, peut-être que je les juge. Ça là seulement là, je vais juger. Et puis, le caca même là, excusez-moi, c'est, en fait, c'est des déchets, c'est des excréments, ce sera trop maquillé. Puis on va pas, je vais pas bien m'exprimer comme j'ai envie. Le truc même là, le caca même, il descend en abondance même. Je dis, je suis choquée depuis hier. Je tombe des nues. Dans mon sommeil cette nuit, c'est comme si je pleurais. Je sentais une grande tristesse. Je n'ai pas bien dormi. J'ai tourné sur moi. Je n'ai pas bien dormi. C'est comme si il y avait quelque chose qui me donnait une grande douleur. Comme si j'avais perdu quelqu'un. Et puis, la douleur était tellement grande que je n'arrivais pas à me contenir. Et dans mon sommeil, je pleurais. Pour tout ça, pourquoi? C'est vrai, on te donnait 10 000 euros, 20 000 euros. Mais tenez-vous bien. Quand elles ont, par exemple, 20 000 euros, elles sont obligées de prendre 10 000 euros dedans pour aller se soigner. Elles sont obligées de prendre 10 000 euros dedans faire des... Comment je vais dire ça? Des détox, en fait, des détox. Parce que le caca de quelqu'un, c'est le déchet le plus horrible qu'une personne puisse produire de son corps. Urine même encore, ça peut aller. Mais le caca, là, excrément, là, c'est le déchet le plus lugubre qu'une personne puisse produire. Donc, toi, tu penses que le déchet, là, le côté lugubre de la personne, et puis toi, tu mets ça dans ton organisme. Donc, arrivé un moment, quand elles ont fini, là, et puis tenez-vous bien, elles doivent avaler le truc. Elles doivent avaler ça. Il y a la nausée, donc je vais prendre une mandarine. Excusez-moi, il va aller cracher un peu. Excusez-moi. Faut fermer, arrange ici là. Il y a trop de désordre, là c'est trop rangé. C'est insupportable. La plus belle. Voici la star Luna, vous la connaissez non? Demain c'est son anniversaire. Elle est toute belle, vous savez le tonton il est tata. Bonjour tonton, bonjour tata. Au revoir maintenant, au revoir. Au revoir. Faut partir, faut aller là-bas, faut pas venir ici, tu as écouté ce qu'ils ont dit. Faut venir, viens. Le dégoût, ça veut dire que c'est depuis matin ma bouche est remplie de salive. Je salive depuis matin. C'est comme si c'était dans ma bouche. Donc excusez-moi, je suis allée actuellement, mais ma bouche est remplie encore. Donc j'ai de prendre la clémentine à la mandarine pour atténuer ça un peu. Zakia, tu es sûr? Merci Tata, Taïa, merci. On dit joyeux anniversaire Luna. Demain c'est son anniversaire. Elle et papa, ils ont la même date d'anniversaire. C'est des jumeaux astrales. Papa et Luna ont la même date d'anniversaire. Alors, je vais appeler. Vous êtes en train de m'inviter. Je vais vous permettre à 2-3 personnes avant de sortir la liste. Ça va être dans mon téléphone ici. Ah, je ne sais pas si demain. Il pourrait fêter l'anniversaire de mon mari et de ma fille. Peut-être qu'il serait quelque part enfermé. Mais il va citer les noms. Partager seulement. Si il n'est pas atteint les 1000 partages, au moins il ne cite pas. Mais je vais déjà prendre 2-3 personnes pour intervenir. Fatou Koulibaly. J'ai invité Fatou pour lui donner, ça passe pas.
Eh ben, faut pas regarder. Tu vas pas manger, ma chérie. Ta bouche sera remplie de salive jusqu'à... Ok, refus. Je vais inviter quelqu'un d'autre. À fois, je t'invite. À fois, je t'ai invité. Je suis fière de ma vie. Je suis contente. Je suis fière de ma vie. Je sais qu'il y a des années de cela, je n'étais rien. Il y a des moments où je n'arrivais pas à manger. Il y a des moments où je pleurais la nuit parce que je dormais dans la faim. Mais quand je regarde des années, je vois ma vie actuelle. Plusieurs années plus tard, je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de la vie que je mène. Chaque matin, je cours vers mon objectif. Je peux bâtir quelque chose de solide. J'emploie des Ivoiriens. J'emploie des jeunes. Je donne de l'espoir aux gens. Je sais me battre. Je ne sais pas pourquoi les appels ne passent pas. La connexion, en fait, la connexion n'est pas très bonne. Ma chérie, tu as toi qui vas à Dubaï à manger le caca des gens. Tu es capable, c'est-à-dire que tu es capable d'ouvrir ta propre entreprise. Mais quand tu veux le gain facile, c'est comme ça que ta vie sera misérable. C'est comme ça que ta vie va mal se terminer. C'est comme ça que tu seras malheureux. Parce que quand tu veux te compter tes millions, là, ou bien tes milliers d'euros, est-ce que tu es heureux dans ton cœur? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce que ta vie est honnête? Ta vie est inspirante. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je ne suis pas milliardaire, c'est vrai. Mais de rien, je suis aujourd'hui une personne. Plus que je suis fière parce que j'inspire des gens. Influenceuse, là, je vous dis, vous aimez ça aussi. Ce n'est pas celle qui vient montrer le dernier sac à main à la mode. Ce n'est pas celle qui vient montrer la dernière voiture qu'elle vient d'acheter. Ce n'est pas celle qui vient montrer la grande chambre d'hôtel de luxe dans un quartier huppé de Dubaï où elle est. Non. C'est celle qui a la carapace, mais c'est celle qui peut changer ta vie positivement. C'est celle qui va t'inspirer à te lever et à prendre une décision qui pourra te permettre de transformer toi-même ta vie. Si c'est ça, là, j'ai trop de témoignages. Peut-être que c'est ce que je dois faire écouter. Des témoignages de personnes qui sont levées et qui ont bâti quelque chose. Il y a une femme de diplomate, s'il vous plaît, diplomate. Elle est femme de diplomate. Donc, ce n'est pas les moyens qui lui manquent. Ce n'est pas la possibilité de se lancer qui lui manque. Mais cette place, bien qu'elle soit une femme quand même positionnée parce que son mari était un grand homme, elle ne pouvait pas se lancer. Elle était malheureuse parce que elle n'avait pas à s'affirmer. Et en écoutant mes vidéos, elle m'a dit qu'elle voulait faire la restauration. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire, puisque son mari est diplomate. Je n'ai pas donné le pays. Peut-être qu'elle suit le direct. Elle est au Cameroun. Je vais dire qu'elle est ivoirienne, mais son mari travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. C'est une de mes clientes. Elle me suit. La voix est faible. La voix est faible. Alors qu'elle parle fort. Hein. Donc la dame, elle vit au Cameroun. Parce que son mari est diplomate au Cameroun, à l'ambassade. Elle ne savait pas comment faire pour se lancer. Elle tournait. Une fois, elle m'a écrit. Quand c'est ma cliente qu'on est en contact, elle m'a dit, « Ah, Divine, je vais me lancer, mais j'ai peur. C'est vrai que je ne manque pas d'argent, mais ma propre fierté, c'est que moi-même, je veux accomplir. Moi-même, en tant que femme, pour me positionner, franchement, je suis faible. Je suis déroutée. » Et puis, c'est qu'elle était malheureuse, ma chérie m'a expliqué son projet. Elle dit, ma chérie, il faut te lancer. Elle voulait ouvrir un restaurant. Elle dit qu'elle n'est pas camerounaise.
Elle n'est pas camerounaise. Elle ne sait pas si elle va réussir la restauration au Cameroun. Si elle vendait peut-être autre chose qui n'était pas consommable, ça allait pouvoir marcher. Mais si c'est manger, est-ce que les Camerounais vont laisser leur nourriture pour venir manger chez elle? Donc elle était vraiment sceptique, elle avait beaucoup d'appréhension. Elle a dit, ma chérie, même si les Camerounais mangent leur oudolet, un jour ils vont manger ton foufou. Et puis cherche à rentrer en contact avec les Ivoiriens. Dis-toi des relations, ton mari est diplomate. Ça veut dire que les Ivoiriens, là, ton mari est à l'ambassade, trouve un moyen de rentrer en contact avec eux. Elle s'est lancée petit à petit, elle a fait son étude et tout. Actuellement, elle a ouvert son restaurant. Elle avait pris un petit peu au départ. Actuellement, elle a déménagé, elle est dans un grand restaurant. J'ai tellement de témoignages dans ce sens. C'est ça l'influence. C'est ça l'influence. Ce n'est pas quand je vais venir montrer mon dernier sac, Louis Vuitton, non. Mais c'est quand tu dois prendre des cieux que ta vie va être transformée. C'est ça l'influence. Mais vous aimez qu'on montre les dernières voitures. C'est pour ça qu'ils vont aller manger caca aussi. Vous venez montrer ça. Et vous allez les acclamer, vous allez les envier. Parce que c'est ce que vous aimez. Donc, on vous sait ce que vous aimez. Je vais prendre un autre appel. Et soit quand ça dépasse pas. Est-ce que vous comprenez? Changez de mentalité. Changez de mentalité. Vous qui pratiquez ça. Je vais vérifier le nombre de partages. Je suppose qu'à la fin de ma vidéo. Si vous dites, je vois qu'on n'est pas mis partage, je ne vais pas citer le nom. Tant pis. C'est ça l'influence. Quand une personne vient faire une vidéo, et puis si tu avais l'habitude d'être paresseuse, ou que tu avais l'habitude de traîner les pas, et après cette vidéo, tu décides de changer ta vie positivement, c'est ça l'influence. Quand je dis aux gens, je suis une influenceuse, parce que je ne vais pas montrer, c'est pas mon sac, lui, bouton. Vous-même, la vie, elle est bonne, elle est en place. En plus, c'est les filles noires. Pauvre de vous. Pitié pour vous. Malédiction pour vous. Lui, je vais le dire. Maudia pour vous. Changez de vie. Changez de mentalité. Et apprenez à vous battre dignement. Parce que je sais que quand tu sors de là, tu n'es pas heureuse. Tu dois avaler. Et ça, c'est la condition. Non seulement... Merci, maman poule. Non seulement tu dois en avoir fait ça dans ta bouche, et puis s'il vous plaît, elle doit avaler. Genre, quand ça finit là, quand elle a fini, elle fait ça. Et qui est? Tu dois faire ça. Aïe, caca de quelqu'un. Non, même si c'est le président de la République, là, il ne peut pas. Sincèrement, il ne peut pas. Parce que je sais me battre. J'ai appris à me battre. J'ai appris à me débrouiller. J'ai appris à vivre dignement, à gagner dignement ma vie. Je préfère avoir mes 200 euros, un peu, que d'avoir 10 000 euros un coup de cette manière. Bien évidemment, s'il y a eu 10 000 euros un coup, Dieu merci dans ce que j'ai fait. S'il y a eu 10 000 euros un coup, à Ndoulaye. Si je peux avoir. Et dans mes activités, un coup comme ça, 20 000 euros, Amdoulilay, 30 000 euros, c'est ce que je recherche. Mais je préfère avoir mes 200 euros, 300 euros, 100 000 francs, 200 000 francs, un peu, chaque jour suffit, ça pèse, que d'avoir en un seul coup, franchement, dans ces conditions où je vais laper. Donne-moi une autre mandarine. Changer de mentalité. Il y a Ivoirien dedans, ma soeur. Alexandre. Ah, Moundoupé. Il y a Ivoirien dedans. Il y a Nigérien dedans. Il y a Béninoise dedans. Est-ce c'est les filles noires. Pitié pour vous. Nos parents africains ne nous ont pas appris ça.
nos parents africains, nos enfants ne nous ont pas appris ça. Les mamans béninoises, c'est des mamans qui sont battantes. C'est des mamans qui n'ont pas peur de la mort. Le matin, elle se réveille à 3h du matin, elle dort à minuit. Elle sait s'occuper de leur mari, de leurs enfants. Elles travaillent durement. Elles ouvrent leurs entreprises. Les femmes béninoises, c'est l'éducation des femmes, des togolaises béninoises. C'est des femmes battantes, des femmes fortes. Elle ne peut jamais venir dire à son enfant, il faut faire ça, ce n'est pas possible. Les mamans camerounaises sont des mamans fortes. Les femmes camerounaises ont beaucoup d'influence. C'est des femmes qui travaillent dur. Les Ivoiriennes, je ne connais pas de maman ici qui vont venir donner des conseils. Non, ce n'est pas possible. Où vous avez appris cette vie-là? Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous avez fait pour descendre en dessous de la terre? Comment vous avez fait? Moi, je sais me battre. Apprenez, ce n'est pas grave si tu ne sais pas te battre. Si tu ne sais pas gagner de la vie, ce n'est pas grave. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre à te chercher. Tu peux apprendre à gagner ta vie dignement. Aucune personne ne va me donner un prétexte et je vais accepter. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas venir me donner un prétexte me disant quoi, etc. Non, mes parents ont fait ceci. Je n'avais pas le choix. Tu as le choix. Encore, même si tu es prostitue, sauf que je ne veux pas. Mais encore, c'est des actes qui sont là il y a longtemps. C'est vrai qu'on crie au scandale actuellement, mais c'est des pratiques qui existent depuis longtemps. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. On a encore choqué. On a fait des vidéos, parlé 2-3 fois, et puis c'est tout. Quand vous-même pensez beaucoup, en écoutant la vidéo, des gens ont dit non, on ne savait pas que c'était comme ça. Tu savais que c'était comme ça. Tu savais. Parce que tenez-vous bien, dans une vidéo, la fille dit, ben, parce qu'on te fait faire d'abord une vidéo de consentement, s'il vous plaît. On te fait faire une vidéo de consentement où toi-même tu dis de ta bouche que tu es consentante, que tu es d'accord avec ce qui se passe, et que tu aimes ça. C'est de ton plein gré que tu te donnes comme ça. Donc ça veut dire que, des fois, si tu n'es pas d'accord, tu dis non, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Désolé, je m'en vais. Mais quand tu acceptes de faire beaucoup de choses, soit de coucher avec l'animal ou de te jouer les chiennes en cage, en train d'aboyer comme. Et puis ces personnes-là, c'est des vicieux au plus haut niveau parce qu'ils ont l'argent. Si c'est un acte sexuel simple, ils n'ont pas besoin de louer une escorte gueule pour ça. Ils ont leur femme pour ça. Encore, ils peuvent prendre une escorte gueule. Mais ça, vous savez, c'est des gens qui ont dépassé ce stade de faire juste des rapports simplement. Eux, leur fantasme les pousse à aller plus loin. Donc, quand tu rencontres ce genre de personnes-là, ne va pas nous dire que tu ne savais pas. Parce que c'est leur pratique et ça existe depuis longtemps. Et puis, les milliardaires, mais vous êtes méchants aussi. Je vais terminer par là. Vous n'avez pas fait 1000 partages. Je vais regarder. Marise Richard, ils sont fait appeler. Ils ont été appelés Marise. Dégueulasse. Betty Touré, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sacrilège. Blasphème comme Dieu contre ton propre corps. Tu blasphèmes contre ton propre corps. Franchement, c'est dégoûtant. C'est rabaissant. Humiliant. Déshonorant. Nous, les filles noires là-haut, quelle mentalité on a? Quelle vie de merde qu'on recherche? Quelle vie? Comment on peut arriver à ce niveau? Comment tu t'es vu? Et puis tu peux supporter ça? La force que tu as de vivre ces choses, mais tu peux utiliser cette force pour te créer ton propre empire. Tu peux utiliser cette force. Parce que ça va. Si tu n'as pas courage, voilà, tu vas faire ça. Toi, tu es plus courageuse que moi. Toi,
même, c'est plus courageux que beaucoup. Mais là, nous les comme 700 et quelques personnes, on est connectés là. C'est plus courageux que nous, franchement. Et si c'est pas plus courageux que nous, Maryse, hein, tu es au travail, d'accord. Maryse, quel autre travail? Ah, mais tu m'appelles. Tu es au travail, puis tu es en train de m'appeler. Donc, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Simone Billet. Tu es plus courageux que Maryse. Maryse au travail, en train de souffrir, assise au travail, là-bas, la nuit, là. Je ne sais pas dans quel pays elle est. Mais si elle était courageuse comme toi, tu es plus courageuse que Maryse. Maryse, elle est plus courageuse que toi. Hein. Mais elle n'a pas fait comme toi. Elle s'en va opter pour autre chose. Alors qu'elle peut faire plus que toi, avec le courage qu'elle a. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous sauve. J'ai le nom des partages. Je ne plaisante pas, il fallait des noms. Hein. Je vais l'écrire. Que Dieu vous sauve. Que Dieu vous délivre. Il y a quoi à vous? Il y a quoi à vos enfants? À vos parents? Soyez délivrés. Reprenez le droit chemin. Et puis sortez de ces pratiques. Parce que ça ne paye pas. C'est la malédiction que vous allez recevoir. Parce que ta vie ne sera plus pareille. Ta grâce là, ta chance là, le gars a pris ma chérie. Ta chance là, ton étoile là, il a puisé ça. Il t'a tiré ton étoile. Tu ne seras plus jamais la même. Tu vas aller de poisse en poisse jusqu'à ce que ta vie soit misérable. Et à la fin de ta vie, tu verras que ce n'était pas nécessaire d'opter pour ce genre de pratique. Ces actes, ce n'est pas simple. Ça, là, vous savez. Ce ne peut pas être simple. Ce n'est pas possible. C'est une alliance, justement, comme Béatrice le dit. Béatrice Akissi, bisous. C'est une alliance avec Satan, avec le diable. C'est vrai, tu peux jouir de ça à l'instant, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Ce n'est pas quelque chose qui va durer, même pas éternellement, qui va durer à long terme. Non, ce n'est pas pour... Je suis tellement dégoûté. Comment on peut arriver à être comme ça? Comment? Et... Oui, ça, quand même. Et puis tu vas prendre... Au moins la moitié de ce qu'on a donné, il faut faire des désintox, des cures pour enlever les toxines et la saleté et les microbes que tu as avalés. Mais si tu prends la moitié, il faut aller enlever. Mais il te reste quoi? En tout cas, moi je prône l'honnêteté. C'est pour terminer. Jadis, il ne sait même pas. Il suppose qu'elle peut croire un peu en Dieu. Dieu là, il aime tout le monde. Dieu là, il aime tout le monde. Tu comprends? La Bible dit qu'il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Si tu es déjà juste, tu devrais venir de Dieu. Mais si tu es pécheur, il est venu pour les malades et non pour les ceux qui sont guéris. Donc, elle, Dieu aussi est venu pour elle. Jésus-Christ aussi est venu pour elle. Et Jésus-Christ a la possibilité de les sauver. Tu comprends? Beaucoup ont rendu témoignage pour ceux qui étaient là. Mais leur vie n'est plus jamais restée pareille parce que c'est traumatisant. Ton esprit est impacté, c'est fini. Dieu vous aime. Jésus-Christ veut vous sauver. Croyez au sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Jésus-Christ est aussi mort pour vos péchés et il peut vous sauver. Il peut vous délivrer de cette vie-là et puis vous attacher à lui. Les noms, tu as partagé dans combien de groupes? Moi, il y a dit qu'on n'est pas, peut-être on a 200 ou 300 partages. Quand on partage, tu veux le nom. Il te dit au moins 1000 partages, donne les noms. Les noms sont là. Ça ne me dérange même pas. Elle est preuve à l'appui, elle est témoignage à l'appui. Mais vous ne partagez pas. Les noms sont là. Je vois 1000 partages dans 2 minutes. Tu sais, je cite les noms. Si vous voulez, en fait, cet exercice, vous allez voir. Mais les noms sont là, ma chérie. Partagez. Attends, je regarde encore.
Il n'y a même pas assez de partage. Donc, les frères et sœurs, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je n'ai pas atteint le nombre de partages escompté. Donc, je ne pourrais pas citer le nom. Je suis désolée. Sinon, c'est là. Peut-être qu'il y a le là-dessus demain ou après demain. Si vous partagez nombreux, je vais citer le nom. Maintenant, si vous voulez le nom, on verra. Mais là, là, tout de suite, là, si vous voyez, on met au défi. 20 secondes, je vois 1000 partages et cite les noms. Voilà. Ok. Bon, comment ça va, ma chérie? Ok, donc je vous laisse. Ah, Baka, comment ça va? Mon appétit est grave. Est-ce que Congo, ça n'aime pas partager? Donc, il partage, il donne pas. Il donne pas. Et moi, même, il se met pas comme les autres qui demandent 1000 partages, 5000 partages. Dis-moi, il dit, il veut 1000 partages sur moi. On était 700 personnes. Si chacun partageait dans deux groupes, on allait avoir 1500 partages. Il cite les noms, pa. Demain matin, même si c'est la Baka, au moins vous savez, les personnes dévoilées. Mais vous ne dites pas. Vous ne bataillez pas, il fait quoi? Moi, je n'ai pas risqué ma vie. Hein, après les petits batailles que vous avez faites, je suis désolée. Alors, que Dieu garde ces personnes. Priez pour elles. Priez pour elles. Qu'elles sortent de cette mauvaise voie pour se convertir et se diriger sur la bonne voie. Dieu aussi les aime. Alors, levez-vous, battez-vous, ouvrez vos entreprises, vous cherchez du travail pour vivre dignement votre vie. Et avec ça, vous serez beaucoup plus heureuse. En optant pour ça, vous pourrez parler, vous pourrez inspirer les autres. Et pour mon dernier message, n'enviez pas celles qui viennent vous montrer le bling-bling sur les réseaux sociaux. Vivez votre vie. Suivez votre chemin. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'êtes en comparaison avec personne. Suivez votre chemin. Fixez-vous des objectifs. Donnez-vous les moyens pour les accomplir, les moyens honnêtes, les moyens raisonnables, les moyens droits, les moyens vraiment, honnêtes pour atteindre vos objectifs. Cherchez-vous. Dieu ne lève pas celui qui se cherche. Ça va marcher pour vous. Cherchez-vous positivement, honnêtement, dignement, les moyens dignes pour atteindre vos objectifs. C'est possible. Il y a des milliardaires aujourd'hui quand ils te racontent leur galère d'avant. Mais plus tard, tu es inspiré, tu te dis que c'est possible aussi de quitter du néant pour arriver au sommet. C'est possible. Optez pour cette voie-là. Pour que vous puissiez avoir une vie épanouie, heureuse et vraie. Parce que je sais que vous êtes malheureuse au fond de vous. Vous êtes misérable au fond de vous. Personne ne peut manger le caca de son ami et être heureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Optez pour une vie saine, digne et honnête. En ce moment-là, Dieu vous bénira et vous serez plus heureuse dans votre cœur, au plus profond de vous. Tu attrapes ça Gucci, mais ton cœur saigne. Ça n'a pas de sens. Ne soyez pas envieuse. L'envie. On ne va pas empêcher les gens de montrer leur sac. On ne va pas empêcher les gens de montrer leur vie bling-bling. C'est clair. Mais ne te laisse pas influencer par ça. Mets ton chemin. Suis ta voie. Et Dieu ouvrira les portes devant. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je regarde encore les partages. Moi, je suis honnête. C'est vous qui me fatiguez. Je vous rappelle que le Golden Show, deuxième édition, aura lieu à Paris le 11 juin 2022. Le Golden Show, c'est le rendez-vous de la mode. Lisa va montrer son savoir-faire. D'accord? Lisa va présenter tout ce qu'elle a prévu pour que cet événement-là réussisse. Ça sera un moment de partage, un moment de cohésion, un moment d'intégration entre cultures. Les gens viendront de l'extérieur. Et je rappelle que nous avons plusieurs exposants. Si tu es dans le domaine de la cosmétique, des produits capillaires, des produits, je ne sais pas, même si c'est un service que tu présentes, si tu es une entreprise de banque, enfin, une entreprise de téléphonie, si tu es une banque, tu es une compagnie d'assurance, tout le monde peut venir présenter ses produits et ses services. C'est à Paris le 11 juin 2022. L'adresse 12 rue Charles Fourier. D'accord? 75013. C'est dans le 13e arrondissement. Soyez nombreux. Et on va faire comme ça
une file d'attente, c'est-à-dire le rang. On veut le rang, on veut le rang. Et au programme, il y aura un défilé de mode. Il y aura prestation d'artistes. Il y aura un cocktail. Il y aura également l'exposition vente en elle-même. Figurez-vous que j'ai commencé avec 2 partenaires. Là, je suis à près de 10 partenaires. Que ce soit les sponsors, comme les exposants. Donc, si vous avez quelque chose à présenter, à vendre, à faire quoi que ce soit, venez. Si vous êtes en France, il n'y a pas de problème, vous pouvez participer. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de voyager facilement sur la France, venez avec vos produits. On va échanger, partager. Vous allez gagner en visibilité. Vous allez avoir de la clientèle. Vous allez avoir un autre carnet d'adresse. Vous allez vous mettre dans un réseau et élargir votre réseau, votre cercle de clients. C'est très important. Participez nombreux. Vous voulez voir Denise Styles elle-même à Paris. Vous voulez participer, même par curiosité. Venez. Parce qu'à la fin, il y aura une tombola. Il y aura une tombola. Et puis, on a prévu notre artiste. Elle sera là. Et ça sera du balèze, du show. Au départ, c'était juste une petite vente privée. Là, on est en train de faire un salon. En tout cas, on a beaucoup d'entreprises qui nous accompagnent. Je vais citer les noms rapidement. Avant de terminer, je cite les partenaires. Hein. Il y a... Excusez-moi, je suis en train de chercher les noms. Il y a Eden Boutique qui est partenaire à l'événement. Il y a Paris Maroc qui est partenaire à l'événement. Il y a Hirondelle Enchantée qui est partenaire à l'événement. Ça fait 3. Avant, on était à 2 partenaires seulement. Hirondelle Enchantée, il y a Nemalia qui est partenaire à l'événement. Il y a Radio La Voix de la Diaspora, ça fait 5, qui est partenaire à l'événement. Il y a Ubiz News, ça fait 6, qui est partenaire à l'événement. Il y a Mobaday, qui est partenaire à l'événement, ça fait 7. Il y a Safia.com, qui est partenaire à l'événement, ça fait 8. Et Diaspora Flash, qui est partenaire à l'événement, ça fait 9. La semaine dernière, on était à 2 partenaires, là, on est à 9 partenaires. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentées en contact avec nous. Vous aussi, venez, si vous avez une entreprise, même si ce n'est pas que vous voulez juste participer en tant qu'acheteur, venez, parce qu'il y aura une tombola. En tout cas, un gros lot à gagner, je ne vais pas m'étaler pour le moment, ça sera une surprise. Au fur et à mesure, suivez la page, vous aurez des informations. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je regarde encore une dernière fois, s'il y a eu des partages, je cite les noms. Moi, ici, j'ai dit vrai. Et ça, dans les hauts, dans les hauts, j'ai dit la vérité. Si tout de suite, il y a eu les réels, il y a eu les partages. Donc, je ne pourrais pas citer. Si il les avait eu, j'allais citer. Bisous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les garde. Dieu se révèle à elle. Que leur vie change et qu'elle voit l'amour de Jésus pour elle. Et qu'elle voit le sacrifice que Jésus a fait pour elle à la croix. Allez, c'est son. Elle se rend compte de ça. L'un va changer. Bye bye.